le manque de foi comme la racine du péché et le pardon comme l'expression de la foi. Celui qui n'a pas la foi, ou qui n'a pas la foi, n'a pas le sens du péché. C'est ça qui fait pas reconnaître le combat avec l'imam. Il n'a pas jamais bien tort. Parce qu'il n'a pas connecté la ville avec en puissance supérieure, en réalité qui dépasse. Donc tout ça l'a fait. Il trouve une justification pour lui-même. Parce que la ville, en réalité, est horizontale. Il part verticale, hein, vite, horizontale. Il met tuer au monde, il a raison pour ça. Tout ça le fait, mais qu'à expliquer par A plus B, pour qu'il raison fait. Donc le manque de foi est la racine même du péché, la racine même du mal. Donc ne vous méprenez pas à vous saisir, sinon, ouais. Donc à vivre avec quelqu'un, ça fait nos malheurs, mais qui par jamais une conscience que il fait rien qui pardon. T'as même blessé. Il a raison. Il joue une raison. Il n'a pas pensé à bon Dieu du tout. Parce que quand il croit dans bon Dieu, il n'a pas croit que bon jour, hein, bon maître, un maître qui vous juge. Maintenant, ça c'est la racine du mal avec le manque de foi. Maintenant, la solution, c'est le pardon comme l'expression de la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moun qui croit dans mon Dieu, par contre, il connaît les yeux de mon Dieu sous lui. Il connaît ça, il fait un vrai qui mal. Il contrarie l'amour de mon Dieu qui est pour lui. Donc, continuellement, il a besoin de réconcilier avec l'amour de mon Dieu. Il y a tout un temps dans une démarche de pardon. Donc, le texte là dit jeudi, hein. Pardon, il y a trois étapes. Première étape là, c'est la contrition. Le regret profond, la contrition. Le monde qui croit tout bon dans mon Dieu, ou arrive dans une dimension, des pour faire qui n'est pas bon, ou regret. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça me fait avoir. Donc, au côté cœur, j'ai et qu'est-ce qu'il dit? Comme science, pas pour reprocher. Ça ne pas bien. C'est profond. Et c'est là, pardon, comme on dit. Si pas de regret, c'est pas de pardon. Et ça fait, des fois, on a forcé faire des mondes bien, il va marcher. Parce que si on regrette pour eux, il va regretter. Donc on a fait deux petits mondes bien, on dit. Bah, il est là, mais. Il est bien mauvais, comme il dit, pour bien. Des fois, dans l'église, on peut faire ça. On a approché mon directeur Pascal, surtout. On compte mes amis. Je considère avec mon directeur, on ne peut pas faire fêter le Pâques là. Pour y aller dans l'église là. Comme Père a dit. La paix. Ça, parce qu'elle n'a pas commencé par le congrès. La condition. Et c'est là où le pardon commence. Après la condition. Il dit que, deuxième étape, il est l'accusation. Moi, je ne fais pas bon, mais il faut me garder. Mon nom. Et tel pas de faire. Il va bon, excusez-moi. Ou accuser de tout. On va attendre Satan maintenant dans le tribunal. Ou même, on met tout dans le tribunal. On dit, non, on a fait tel malheur. Ça. Après, première contrition, deuxièmement l'accusation, troisièmement, il dit la réparation. Nous disons que le pardon n'a pas suffi. On nous dit que j'ai été voleur, 50 $ pour. Après, ça va se faire prendre.
On dit vous-même. Nous devons lancer le code de l'âme pour s'aider. Ma raison, c'est là. Je dis, Seigneur, excusez-moi, il n'y a pas de bon vœu. Nous devons prendre 50 dollars. Il faut qu'on revienne là. Oui, mais. Non, non, il voilà, faut réparer. Ça se voit? Il faut réparer. Maintenant, tout texte, je dis, il est fait sur la réparation dans la dimanche. Si moi, je vois les 50 dollars, je me fais 3 mois à 50 dollars. Malmando, pardon. L'infiltrement de pardon, et puis moi, je mets tout 50 dollars. Est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi faire 3 mois à 50 dollars? Pour remettre 50 dollars? Et c'est ça la vraie idée. Pour payer le camp. Maintenant, suivre. Qui ça veut dire? David péché. Il était que ça a riche en vie, libéré. Et ça, nous ne pouvons pas prêcher sur lui facile. David péché. Quand David péché. Et David tué un monde. Alors, il fait tuer un monde. Mon connaît. Doit qui est dans Genèse. Oui, c'est le même. Donc, c'est auteur intellectuel assassinat. Maintenant, tu dis, ok, David, suive. M'a puni quand même. Ou même, choisis qui punition à prendre. Puisque c'est vous-même qui êtes dans la tête pays, et que c'est moi qui mets dans la tête pays, au péché, pays a entré en bas. Péché là. Et ça ne fait pas bon pour le pays qui n'est pas tout dans la tête. Bien entendu, tu comprends cette théologie qui dit tout pouvoir vient de Dieu, donc nous méritons nos dirigeants. Tu comprends? Tout pouvoir vient de Dieu. Donc si vous ne voulez pas vivre au monde, nos positions vont être là. Donc quelque part, si on est en position, le peuple a mérité le chef là. Est-ce que c'est le problème? Je vais expliquer bien. Selon Jean, on peut comporter à bon Dieu a mis ton monde de ce genre dans la tête. Est-ce que c'est le problème? Donc, Israël, on peut Israël. Israël, dans le livre des juges, il dit que ce peuple a la nuque raide, tête raide. Tout ça me dit, il perd, il comporte comme bourri. Eh bien, qui est-ce qu'on est bon Dieu comme moi? Ça a eu mon éleveur de boue. Oui. Alors, c'est ça. Ça a eu son éleveur de boue. Il dit, comme moi, je n'ai pas comporté nous. Ça nous mérite. Quand il y a la comment on dit ça? Mais comment fait son des bourrés comme ça? Que nous rien comme ça. Parce que c'est ça, non? J'en fonctionne à bon Dieu. Là, je comprends pas. Et ça fait que les gens qui marient, comment elle fait marier un même soir comme ça? Comment bon Dieu fait Saint-Elle jouer un même soir ça? Et moi, je suis arrivé un même soir ça. Mais est-ce que devant bon Dieu, ou au porto, vous, quand je ça? Maintenant, ce que je dis, David, il dit, David, en justice, en toute justice, puisque c'est vous-même qui vous appelez, c'est vous qui choisi, vous péché ou là, que le peuple a toléré avant là. Le peuple a participé, non? La punition, la punition. Donc, ma parole, peuple a la bonne maladie pendant 3 mois. Ou bien, la bonne la route pendant 3 mois. Ou bien, la bonne grand bout pendant 3 ans. Comme si, quel que soit janvier, ma pini nous quand même. Moun qui te toléré ou là, la bonne maladie pas. Ou bien, ou même si on voit qu'il y a conscience, accepter la punition et pour qu'on ou bien, la punition qui est plus longue, on peut faire la guerre pour 3 ans. Choisis. Et puis c'est là ça, la vie pour aller sauver le royaume de Dieu. Il va sauver le mandat. Il dit, bon Dieu. Peuple a toléré, c'est vrai. Parce que l'homme, ça qui m'a dit, il était digne, mon roi. Non, c'est pas grave. Bon. Et par le fait que tu vas dans rien, tu vas bravo, tout ça me fait bon, tu as mérité la punition. Mais moi-même, mon Dieu, comme moi, c'est mon chef, moi, je ne dois pas dire que ça me fait pas bon, parce que mon père, il a dit, Ils ont son problème. Vous connaissez mon péché.
on lui a accepté le monde pour des péchés avant, le monde pour punition avant, on dit non, puisque c'est moi qui ai péché. Quitte mon bâton, ma carreau, pourquoi ma quitte la tête. Ce que mon Dieu voulait dire, si vous faites mal, vous faites mal là, quand même. Courir, demandez mon Dieu, pardon. Parce que, quel que soit côté mal la fête, nous avons un bac à abandonner. Mon Dieu, ouais. Et puisque mon Dieu connaît, mon Dieu a fait justice quand même. C'est ça que fait. Salut Paul, il est de pardon. Le premièrement, contrition, regret en faire. Deuxièmement, accusation. Dis-le, moi, dis-le. Puis troisièmement, réparation. Maintenant, sur réparation, et quelqu'un qui m'a dit, mais il y a quelque chose à faire, mes amis, aucun mal pour réparer, parce que c'est difficile. Il y a un père qui écrit tout un traité théologique, parce que 800 pages, ce n'est pas ça. Dans le moral casuistique, il dit bon. Et un monde qui va mentir son nom, il dit c'est interdit. C'est interdit, c'est interdit. C'est un bon ami, il dit le tout. Ça, on a plus bon ami, il dit le tout. Et puis, nanti, 500 000 mouns, pour le parler là, et parler là, c'est menti. Quand il a dit, ok, vous savez, vous devez mentir sur ça, vous allez dire cela, pardon. Mais qu'est-ce qu'on va faire le baril là? Et son camarade, il dit tout le monde. Qui te connaît là, là? Mes amis, ça me dit que c'est un pas bon. Mes amis, c'est menti, il te y est. On va voir combien de monde qui est là. Qui sont au café. Alors Salomon résout ça de la vie. Il dit, la charité couvre une multitude de vies. Et quel péché offert, c'est la charité pour faire pour mon Dieu. Nettoyer, pour laver. Donc, pour tout péché offert, on parle même quand on est comme nous blessé, apprendre à faire la charité. La charité. Parce que au monde est un petit peu différent. Au monde est seulement un bicorp. La charité a plus large. La charité a cette expression l'amour vers le prochain. Donc tout le monde qui a le besoin, tout le monde, au monde qui a son conseil, il a besoin de son forme de charité. Au monde qui a son support, il a besoin de son propre charité. Au monde qui a son compte même, besoin de charité. Charité arrive. La charité est une multitude de péchés. Donc la conclusion de la prêche est simple. Si vous toujours vivez avec l'amour de Dieu dans le cœur, pour tout le monde qui est pour Dieu, quel que soit le péché ou le défait, mon Dieu a. Parce que quand il fait, il vous a pardonné. Se créer à ça. Vive tout le temps avec charité dans le cœur. Quel que soit le monde, on l'a connu. Toujours gagner pour lui, bon sentiment. Quel que soit la position, on t'a aidé. Quel que soit sa monde d'affaires, pas jamais mettre dans une situation pour qu'importe, on vire. Que pour l'homme, avec un Dieu qui est pour personne. La charité, c'est le plus grand appel de pardon. La charité a permis que nous ne parions trouver nous en bas. Justice, mon Dieu. Rappelez-vous, quand le mal est fait, Dieu doit rendre justice. Mais si les enfants de Dieu usent de charité, il y a toujours un pardon devant Dieu et il y a quoi qui change? L'amour, mon Dieu. La grâce, mon Dieu, a fait chemin avec eux jusqu'au ciel. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.